Hello tout le monde, on se retrouve pour notre live spirituel avec ce soir un programme chamboulant, j'ai envie de dire, je ne trouve pas d'autres mots pour parler de l'ascension. Alors l'ascension, tout le monde en parle, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Bonjour Lisiane, bonjour Jean-Luc, bonjour Sdi, bonjour Soazic. Voilà, tous les habitués qui arrivent. Allez, sans perdre de temps, donc on va rentrer dans ce sujet de l'ascension. L'ascension, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça arrive? Comment on le fait? On parle d'ascension planétaire, on parle d'ascension individuelle. Donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus. Alors, je dois déjà vous dire que les guides là-haut, ils ont été exceptionnels parce qu'ils ont réussi à m'expliquer des trucs que je vais essayer de vous expliquer, c'est pas sûr que j'y arrive, mais qui sont un petit peu compliqués. Ils m'ont fait des démonstrations, ils sont venus à mon aide quand je ne comprenais rien du tout, et paf, paf, c'est tombé comme ça, génial. Alors, on va commencer ça de suite, cette ascension. Vous allez voir qu'on va découvrir des trucs époustouflants, époustouflants. Moi, j'ai pris des prises de conscience extraordinaire. Allez, le temps que tout le monde arrive, vous savez comment c'est, un petit peu de pub. Un petit peu de pub parce que mercredi prochain, donc c'est le 1er mai, c'est le lendemain de mon anniversaire, à titre d'information, mon anniversaire c'est donc le 30 avril, j'aurai 20 ans, bien sûr. Donc j'organise le lendemain un stage de clairaudience, apprendre à entendre. Je crois que c'est la manière d'être le plus autonome, entendre vos propres guides à vous comme moi je les entends, comme ils me donnent des informations, mais c'est aussi entendre les êtres chers, entendre l'invisible, c'est trouver la méthodologie pour régler votre outil d'écoute sur le canal de l'invisible. Et ça marche à chaque fois, c'est juste une question de méthodologie. Il reste encore des places à ce stage puisqu'on a la chance d'avoir une très grande salle et une très belle salle. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y a toutes les informations ici sur mon compte Facebook Pro, quand la chenille devient papillon. Puis la semaine d'après, il faut occuper les jours fériés, hein. On va voir les stages sur les soins énergétiques, ces nouveaux soins que l'on peut faire avec les nouvelles énergies du moment. Et puis j'ai lancé un petit truc. Vous allez voir que ça peut être intéressant, c'est de la magie blanche. La magie blanche va nous permettre de pouvoir agir justement dans ce processus de l'ascension pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis on va pouvoir faire plein de petits trucs en magie blanche aussi. Vous pouvez me donner vos idées. Là, c'est un petit rituel qui vaut 10 euros. Ça vous permet aussi de participer, de soutenir ma super entreprise et d'apprendre à faire plein de choses. Voilà, je crois que la pub, c'est fini. Allez, on attaque. Ouais. Alors, on commence par les énergies du moment. Donc, on arrive bientôt dans le mois de mai. Au niveau du mois de mai, on va avoir des énergies de conscience, des énergies de compréhension. D'un seul coup, on va se rendre compte des choses. Et peut-être, bah, au fur et à mesure de ces petits moments qu'on passe ensemble le dimanche soir, se rendre compte de ce que c'est l'ascension et de ce qui nous attend. On est en train actuellement de découvrir les lois de cause à effet. En gros, quand on a dépensé de mouise, eh ben on récolte 3, 4, allez, entre 4 et 7 jours des embûches, des choses compliquées dans notre vie. Et on commence à comprendre que finalement, on est ses créateurs, on est le créateur des choses bonnes et des choses mauvaises. Voilà ce qu'on va comprendre au mois de mai. Et vous verrez que ça correspond à un des cycles d'apprentissage dans ce processus d'ascension. On vous parle aussi d'accélération du temps. En ce moment, on dit, ah ouais, le temps accélère, le temps accélère. Bah, moi, quand je regarde ma montre, le temps, il n'accélère pas. Par contre, ce qui accélère, ce que j'ai trouvé qu'accélérer, c'était le processus de création. Si avant, pour créer, on mettait en place le processus de création, pensée, parole, action, et on créait à 1 mois, 2 mois, aujourd'hui, on crée entre 4 et 10 jours. Ça va super vite. Et amis de l'école de la lumière, d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, il y a toutes les infos sur mon Facebook Pro quand la chenille devient papillon. On va apprendre le processus de création. Donc, vous allez pouvoir créer à 4 ou 7 jours ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez manifester. On va reprendre notre pouvoir, qui est le pouvoir de création avec de la méthodologie. Donc, durant ce mois de mai, on va nous demander de trouver notre but et surtout de rester stable. Personnellement, moi, je me suis fait un petit tableau avec 3 colonnes où il y a ce que je veux être, ce que je veux faire et ce que je veux avoir.
Et comme ça, c'est très clair pour moi et je ne change pas, mon but ne change pas. À chaque fois que vous allez changer de but, vous allez dissiper l'énergie que vous étiez en train de semer. Vous allez avoir semé, allez, on va dire, 5 pièces d'énergie dans je veux être vétérinaire. Et puis après, vous allez changer d'avis, dire ah non, finalement, je vais être fleuriste. Et vous allez perdre vos 5 premières pièces de semer pour recommencer à zéro pour fleuriste. Donc faites un petit point durant ce mois de mai sur ce qui vous voulez être. Qui vous voulez être vraiment, ce que vous voulez faire de votre vie et ce que vous voulez avoir. Vous allez voir que les deux premières colonnes, elles sont assez remplies. Puis quand on arrive dans le avoir, on se dit, bof, j'ai pas besoin de grand-chose finalement. On a déjà tout ce qu'il nous faut, qui correspond encore à une étape de l'apprentissage de ce cycle de l'ascension. Ce qu'il faut comprendre au niveau des énergies, c'est que la Terre, elle fonctionne avec des cycles. Ça monte et ça descend. Et ces cycles, c'est des cycles d'équinoxe, c'est des cycles de solstice. Et on va en parler aussi puisque ça colle totalement avec l'ascension. Donc là, on est jusqu'au solstice de juin, 21 juin, dans une phase montante. Regardez le petit dessin que je vous ai fait ici. Hein. Donc là, c'était l'équinoxe de mars. Et donc depuis mars, on est bombardé d'énergie. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On en prend plein la figure. Donc les petits inconforts dans le corps, c'est normal. C'est notre corps qui s'adapte. Donc tout va bien. Mieux vaut qu'il s'adapte le corps, qu'il se passe des choses justement, puisqu'on va en avoir besoin pour l'ascension. Donc voyez, on est à peu près rendu là. Donc allez, on a fait le plus gros. Hein. Donc le 21 juin, c'est le pic qui est tout avant. On voit que ça va freiner un petit peu. Donc dès le 15 juin, ça va mieux. Par contre, après, vous avez vu, on redescend, je ne sais pas ce qui nous attend. J'espère que ça va être pas trop inconfortable. Dites-vous que 2019, c'est l'année du secouage de toute manière. Et puis, je voulais partager avec vous, qui me suivez depuis longtemps, un truc qui m'arrive, qui est vachement sympa. C'est que je vais passer en vibra-conférence sur le grand changement pour parler et pour présenter l'ascension. Donc, je vais un petit peu m'entraîner avec vous ce soir. Et n'hésitez pas à me faire des retours si c'était clair, si c'était pas clair. Voilà, je me mets un petit peu la pression. J'ai envie que ça se passe bien. Et je me mets trop la pression. Ça se passera comme ça se passera. Allez, eh ben on commence. Tac. Ah oui, donc, j'avais mis ça. Ben oui, puisque dans ce grand changement, dans cette vibra-conférence, il va falloir que je me présente. Et puis, je me suis dit que je ne m'étais jamais présentée à vous. Vous me connaissez au travers de ce visage, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas mon histoire. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Donc, moi, je suis en éveil depuis 3 ans. Donc, vous voyez, 3 ans, c'est court. C'est vraiment très court, 3 ans. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour tomber en éveil? Ben, j'ai vécu déjà en termes de relations amoureuses un coup très très dur. Et puis ensuite, c'était dans le parallèle, j'ai eu des problèmes de dos. Des problèmes de dos au point de ne plus pouvoir marcher, au point d'être opéré à plusieurs endroits de la colonne vertébrale et d'essayer de comprendre comment ça se fait que ce dos était en train de me lâcher. J'étais en train de me poser des questions sur pourquoi ça m'arrivait à moi. J'avais à peine 35 ans, je vais fêter mes 44 ans. J'avais à peine 35 ans, comment ça se fait que la machine ne tenait pas? J'étais une bête de combat. J'étais directrice commerciale dans des grosses boîtes, gérais 300 vendeurs, le cheval de course. Et puis d'un seul coup, paf, tout se casse la figure. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et puis j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. Et là je me suis dit, ma cocotte, soit t'as pris trop d'antidouleurs, soit t'es en train de devenir complètement zinzin. Donc quand même, je suis allée aux urgences psychiatriques. Ça a été mon réflexe d'aller aux urgences psychiatriques et de dire, excusez-moi, je suis folle, on me parle dans ma tête, j'entends des trucs. Sachant que ce n'était pas des voix aussi fortes que quand on parle avec quelqu'un. Hein. C'est quand j'étais dans le silence, hop, j'entendais des choses derrière, derrière. Mais je chantais qu'on me parlait, avec du « tu ceci, tu cela ». Généralement, quand on se parle à nous, hein, on se parle avec du « je ». Et on a fait des examens quand même, j'ai eu droit à un scanner, et puis tout allait bien. Et le médecin, le psychiatre m'a dit « mais qu'est-ce que vous entendez dans votre tête ?» Puis je lui ai dit « j'entends des choses comme « les peurs sont des illusions », comme « il faut que tu apprennes à être plutôt qu'à apprendre à vivre ». Et le psy m'a dit « mais c'est plutôt intéressant ce qu'on vous dit, c'est pas con en plus si vous écoutiez ». Et je me suis mis à écouter ce qu'il y avait dans ma tête. Et j'étais en enseignement pendant très très longtemps avec Maître Saint-Germain, je ne savais pas, hein, ce moment où moi j'écoutais la voix dans ma tête, il s'est présenté qu'un an après, et il m'a enseigné. Il m'a enseigné sur les peurs. J'étais en fait quelqu'un qui était rempli de peurs.
sur l'être. Qu'est-ce que c'est que vraiment être? Qu'est-ce que c'est que ces trois parties à l'intérieur de nous, le corps, l'âme, l'esprit, l'inconscient, le subconscient? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ensuite, il m'a appris à créer ma vie. Comment est-ce que je pouvais, au travers de mes pensées, au travers de ma vibration, créer le monde que je voulais? Il m'a enseigné l'univers, les lois. Enfin, c'est peut-être même d'autres personnes qui m'ont enseigné ça. Je ne sais pas exactement qui m'enseigne parce que je ne demande pas. Je vois simplement, enfin, je ne demande pas toujours. Des fois, je demande quand même. Moi, je suis un peu curieuse. C'est le côté égo encore. Mais souvent, j'écoute plutôt la pertinence, la perspicacité de ce qu'on me dit. Et à l'intérieur de moi, ça vibre vrai. Ça fait oh putain, mais oui, bien sûr. Et toutes ces prises de conscience, en fait, on vient de me donner, allez, ça, et puis après, moi, je découvre ça. Donc, il y a une partie du boulot qu'on fait seul. Mais voilà, il faut que je révise ma présentation, c'est peut-être un peu long. Hein. Moi, je fais partie de la famille d'âmes des enseignants et des guérisseurs. C'est-à-dire que la faculté que j'ai, mes points forts, surtout, c'est d'être cartésienne, de pouvoir expliquer l'invisible avec des choses assez carrées. Et puis surtout, de faire de la traduction de messages de guide. Pour ceux qui entendent les guides, vous verrez que ce qu'ils nous disent, ce n'est pas toujours très clair, puisqu'il y a ce côté où il y a des choses qui doivent venir de nous-mêmes. Donc, ils sont assez évasifs pour qu'on puisse comprendre l'enseignement à notre sauce à nous. S'il y avait un guide qui se pointait et qui disait « Je suis ton guide, maintenant ça va être comme ça, comme ça, comme ça », on te dirait « T'es mignon le guide, tu rentres dans ta galaxie, laisse-moi faire mon truc, je vais gérer ». Donc, je pense que mon point fort, voilà, c'est de réussir à traduire ce que disent les guides et à donner des indications aux humains. Quand un guide, il te dit, moi je me rappelle d'une fois, le guide, mon guide, il m'avait dit « Bon, maintenant que tu as compris, il ne te reste plus qu'à être soi ». Ouais, soit quoi? Comme je dis souvent, t'es passé sous un tunnel, j'ai pas la fin. Et on réfléchit un petit peu, puis on comprend ce que ça veut dire être, on voit la différence entre être et vivre. Et toute cette méthodologie que moi j'ai acquise, ben maintenant je suis en mesure de la redonner avec des mots clairs. Donc voilà, qui je suis. Maintenant vous savez qui je suis, l'humaine que je suis, parfois un petit peu l'illuminée que je suis aussi, mais parfois désilluminée, ça amène de la lumière et c'est pas si mal que ça. Allez, on attaque l'ascension. Je vous ai prévu un chouette programme, sachant que je n'ai pas encore tout fini, puisque je reçois les infos au fur et à mesure, mais j'ai déjà les premières parties. Donc, l'ascension, qu'est-ce que c'est? Ça va être notre premier thème d'enseignement. On a des choses à comprendre. On va parler du cycle cosmique, de l'évolution et de l'enseignement, et essayer de déterminer si on arrive à la fin du cycle. Et puis après, on verra comment, qu'est-ce qui nous attend. Quelle est cette nouvelle humanité? Ce qui dit ascension et qui dit cycle dit qu'il y a un début, il y a une fin, il y a des choses qui s'enchaînent. Alors, je n'ai pas dit fin du monde. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. J'ai dit fin d'un cycle, éventuellement. Et puis, on apprendra à se préparer à cette nouvelle manière de vivre, cette nouvelle humanité qui arrive. Allez, c'est parti. Tac. Donc, l'ascension, qu'est-ce que c'est? On a deux définitions qui sont intéressantes. La première définition, elle est importante parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vivent ça. C'est l'éveil. L'éveil, c'est un processus de prise de conscience que nous possédons une capacité divine à l'intérieur de nous et les capacités inhérentes à cette partie. Ça veut dire concrètement, quand on a bien avancé dans l'éveil, pour faire simple, hein, vous allez gagner peut-être 5 ans, c'est vous êtes un dieu. Et comme vous êtes une partie divine, vous êtes une petite partie de la source qui fait des expériences sur Terre pour découvrir qui elle est. Donc, petite partie de la source veut dire qu'on est constitué comme la source. Et donc, on a ces capacités. Et c'est ça, être créateur, pouvoir créer. Après, il faut juste avoir le mode d'emploi. Et là, je peux vous aider. Donc, l'éveil, c'est ça. C'est se rendre compte qu'on n'est pas ce qu'on est et qu'on a des capacités que l'on ne pensait pas avoir. Génial. Une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire, OK, mais ça mène à quoi tout ça? Et ça nous mène à l'ascension. L'ascension, c'est le parcours de retour vers notre vraie nature après les cycles d'apprentissage. Pour savoir ce que l'on est, on a eu besoin de savoir ce que l'on n'était pas. Donc, on va se rendre compte que le début d'un cycle, en fait, c'est descendre, c'est de l'involution. L'ordinateur, on est évolué. En fait, non, on vient de se casser la gueule et on est rendu le plus bas du plus bas qu'il est possible d'expérimenter. Alors oui, peut-être avec une certaine technologie, mais en termes de conscience, on a expérimenté le plus bas. Et tant mieux, parce que c'était ça le deal. C'était ça le jeu de la dualité. C'était de se dire, OK,
On saute dans cette dualité, on comprend ce qu'on n'est pas, comme ça on va pouvoir savourer ce qu'on est. Un exemple, quand je passe par la maladie, ah j'ai mal partout, j'ai bobo, je passe un mauvais moment. Dès que je reviens dans la santé, ça y est, je savoure la santé, je suis bien. Mais pour savoir ce que c'est la santé et pour la savourer, faut que j'aie connu la maladie. Donc ça y est, on a expérimenté la descente, l'involution, ça fait pas loin de 2000 ans qu'on est en train d'expérimenter ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin. Maintenant, on remonte, on fait l'ascension, on remonte vers notre vraie nature, c'est-à-dire vers notre bienveillance, notre divinité, notre communauté, notre tout ce que j'aurais envie d'appeler bisounours-vie. Alors, j'aime pas ce terme-là parce qu'on n'est pas perché non plus, hein, on est quand même bien ancré dans la matière, mais ça résume un petit peu. Voilà, on va retourner à bisounours-vie. C'est le chemin de retour vers notre plus belle version, notre plus belle humanité. Et on va faire ça de manière individuelle et de manière collective. Individuelle, il y en a déjà qui ont commencé leur ascension. Ce sont vous, les éveillés. Vous qui regardez ce live ce soir, vous faites partie des premières petites graines qui ont été semées. Et vous avez commencé à remonter, vous avez commencé à faire votre ascension. Et grâce à vous, ça, et grâce à la vibration de la Terre aussi, ça entraîne toute l'humanité. Et quand ça entraîne toute l'humanité, ça s'appelle une ascension planétaire. Et c'est ce qui nous attend. Pour rentrer tous ou créer tous ensemble une nouvelle humanité. Alors, on va voir que il y a un cycle pour descendre et un cycle pour remonter. On va parler de cycle. Tout fonctionne par cycle. Le sommeil, quand on s'endort le soir et quand on se réveille, on a fait, il y a un cycle et on arrive à la fin du cycle. Encore une fois, on ne meurt pas tous les matins. Hein? Donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus la fin du monde. Lorsqu'on fait des études, hein, cycle primaire, cycle secondaire, les saisons, il y a des cycles, les planètes ont des cycles dans leur rotation. Et nous, on va s'intéresser à un cycle qui s'appelle le cycle de précession des équinoxes, ou bien le smic, le smic. Le smic cosmique. Le cycle cosmique. Et ce cycle cosmique, il fait 25 920 ans. Alors, comment ce chiffre de 900 920 ans? Vous allez voir que les guides, ils ont bossé avec moi, parce que tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes. Donc, on a des basiques. On a un minimum quand même dans notre involution. Hein. On sait que la Terre, elle tourne autour du Soleil en 365 jours et quart. Et ce quart, il nous embête bien pour la date précise des équinoxes. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. OK. Mais figurez-vous que la Terre, elle tourne aussi un petit peu sur elle-même. Je voulais vous préparer quelque chose et j'ai oublié, je voulais prendre une clémentine avec deux petits pics. Il faudra que je pense à le faire pour vous montrer que qu'est-ce que j'aurais à portée de main qui pourrait vous montrer. Bon, c'est pas grave. Allez, on va imaginer que j'ai ma main et que c'est pas génial. On va imaginer que c'est ma main. On sait aujourd'hui que la Terre, si là c'est le nord, là c'est le sud, elle est légèrement inclinée. Elle est inclinée, si je ne me trompe pas, de 23 ou 11 degrés, je ne sais plus. Elle est un petit peu inclinée, comme vous pouvez le voir ici sur mon dessin. Et qu'en plus de tourner sur elle-même et de tourner autour du Soleil, elle tourne comme ça, en même temps. Ça veut dire que son pôle nord, au fur et à mesure, n'est pas toujours le même. Ce pôle nord, il change degré par degré, et il met 4680 ans, si je ne me trompe pas, pour changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre pôle nord à nous, regardez mon petit dessin ici, notre pôle magnétique, il est tourné vers une étoile qu'on appelle Polaris. C'est l'étoile polaire, celle qui indique le nord. Mais il y a 25 920 ans, il y avait une autre étoile polaire dans la constellation de la Lyre qui était Vega. Donc, pour passer de Vega à Polaris, il a fallu 25 920 ans. Et c'est ça le cycle des équinoxes, de précession des équinoxes. Et le cycle de l'ascension est calqué sur le cycle de précession des équinoxes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que autour de la Terre, il y a des constellations. Et que chaque constellation a un soleil, est un amas de planètes, de soleil, et tout ça s'entraîne de la vibration. Que de la vibration, c'est de l'enseignement. Donc, en fonction de l'orientation de notre planète, donc quand elle fait sa danse sur elle-même,
Elle reçoit les vibrations de telle ou de telle constellation. Autour de la planète Terre, il y a 12 constellations. Et même si mon image n'est pas très très exacte, on voit bien qu'à certains moments, la Terre va être alignée sur des constellations. Et elle change tous les 2160 ans. Donc, en 25 920 ans, elle a fait toutes les constellations, elle a fait 12 fois 2160 ans. Et nous, les petits humains sur la Terre, on a reçu 12 enseignements différents. Ce cycle-là, on va voir qu'il va être divisé. Il va être divisé en 3. Et qu'à chaque fois qu'on est toutes les 3 constellations, il se passe un truc bizarre sur la Terre. Tintin, suspense, suspense. Donc, on continue. Voilà la notion des cycles. Maintenant, le cycle de l'humanité, il est de 68 400 ans. Alors, je pourrais vous expliquer comment on tombe sur ce chiffre. En fait, non, je ne pourrais plus. Parce qu'ils m'ont expliqué, c'était très clair, j'avais tout compris, mais je suis incapable de vous l'expliquer. Là, c'est trop technique. On va partir de base que le cycle de l'humanité, vérifié sur Google, hein, c'est 64 800 ans, qui correspond à 2,5 fois le cycle de précession des équinoxes et qui correspond à 30 ères zodiacales. Donc, on pourrait, si le cycle de l'humanité, il est tous les 64 800 ans, on pourrait s'imaginer qu'il y a presque peut-être un reset. Il y a peut-être peut-être qu'on remet les compteurs à zéro tous les 64 800 ans et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Et on va même se rendre compte que c'est bien plus souvent que ça et sur des petites périodes. Comment je vois le cycle de l'humanité? Donc moi, par rapport à mon dessin, je ne pense pas forcément qu'on est issu de Darwin. Je pense plutôt qu'on a nos copains galactiques qui sont venus poser des petites graines, nous, et qu'on a évolué, certes, pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on est issu d'un poisson, d'un truc qui aurait évolué sur Terre. Je pense que non, on est un mélange d'ADN, de brins d'ADN des galactiques. Et on est là pour expérimenter, pour faire un jeu dans lequel on s'est porté volontaire. Voilà ma manière de voir les choses. Ça, après, chacun a les siens, à sa manière de voir les choses. Par contre, là, on va tous être d'accord, c'est sur ça. Donc, on évalue la naissance de l'humanité il y a environ 200 000 ans. C'était l'homme de Cro-Magnon. Et puis, le Moyen-Âge, hein, soit plus de 100... Merde, j'ai fait mon calcul dans le mauvais sens, en fait. D'accord, j'ai fait... En fait, d'accord. Soit 2000... Merci. Tac... Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Il faut que mes chiffres soient bons, puisque quelque part, c'est un petit peu une démonstration mathématique. Yes. Donc, il y a 2000 ans, on était ça. Hein, à peu près l'arrivée sur Terre de l'humanité, c'est il y a moins 2000 avant Jésus-Christ, moins 200 000 avant Jésus-Christ. Donc, on était un homme de Cro-Magnon, on avait les cheveux longs, on était habillé avec des peaux de bête. Ok. 150 000 ans plus tard, hein, donc entre le 5e et le 15e siècle, on est devenu ça. On a échangé notre peau de bête contre un truc en tissu. On mange toujours à peu près la même chose. En termes de moyens de communication, on parle encore avec des signaux de fumée ou des pigeons. Mais on a foutu quoi pendant la différence entre là, de ça à ça, il y a 185 000 ans. On a foutu quoi pendant tout ce temps? Et puis là, en l'espace de 500 ans, on est passé de « je m'habille avec du lin et je fais des signaux de fumée » à « je roule sur un truc, j'ai des téléphones portables, des réseaux électriques, tout ça en 500 ans ». Ça vous paraît pas bizarre? Quand 185 000 ans de là à là, on a pratiquement pas évolué, et puis là, bim, on a fait un saut quantique en 500 ans. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, sauf si, entre-temps, il y a eu des civilisations ultra avancées qui ont suivi leur parcours, qui ont bien, bien avancé, comme à notre rythme. Hein, tous les 500 ans, on fait des super découvertes et que ces dimensions, elles ont disparu. Qu'est-ce qu'on sait? On a entendu parler du mythe de l'Atlantide. Le mythe de l'Atlantide, le déluge de l'Atlantide, c'est environ il y a moins 10 000 ans.
Donc, ça veut dire que, et on ce qu'on sait, alors mythe ou réalité, hein, moi personnellement, depuis mes recherches, c'est plus du tout un mythe, c'est plutôt une belle réalité. Ce que l'on sait, c'est que c'était un peuple qui avait déjà beaucoup d'avancement. C'était un peuple qui avait atteint une technologie tellement forte qu'ils se sont soi-disant autodétruits. Ça pourrait venir expliquer les maillons qui manquent et si effectivement un cycle avec de temps en temps un reset, une remise à niveau pour pouvoir continuer le jeu. Il y a 5000 ans, il y a eu l'Égypte ancienne. C'est bizarre, l'Égypte ancienne, on ne capte rien. Les hiéroglyphes, on est incapable de les déchiffrer. Là, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec nos super ordinateurs, on est incapable de les déchiffrer. On ne sait même pas comment ils ont fait pour faire les pyramides. On voit bien qu'il nous manque des maillons dans notre histoire. Hein? Et la Grèce, on verra tout à l'heure, Platon, il a laissé des informations, il nous dit des choses, il nous dit des choses. Hein? Les Mayas, qui avaient des calendriers, qui ont été capables de prévoir la fin du premier monde 3D 2012 et la fin du monde du karma. Comment ils savaient ça, il y a 5000 ans, 6000 ans? Les Aztèques, qui avaient des calculs, on va le voir tout à l'heure, c'est des civilisations qui ont fait des trucs de malade. Ils ont trouvé les chiffres d'or, ils ont trouvé pi, et d'un seul coup, paf, il n'y a plus rien. Nous, on n'a plus rien. On voit bien qu'il manque des choses. Hein? Alors justement, regardons ces grandes civilisations. Aujourd'hui, regardez le hiéroglyphe que je vous ai mis. Si vous regardez bien ici, il y a un hélicoptère. Il y a un avion, il y a un hydroglisseur. Donc ça, c'est quelque chose qui est daté il y a environ 5 à 10 000 ans. Il y a 5 à 10 000 ans, soit ils étaient médiums, soit ils étaient voyants, soit ils utilisaient déjà une partie de cette technologie. Ce qui a été trouvé par l'Égypte ancienne aussi, c'est ce nombre d'or, ce qu'on retrouve partout, qu'on retrouve, regardez, dans les vagues, dans les dépressions, qu'on va retrouver aussi dans les constructions des pyramides. Ils ont été capables, les Égyptiens, de faire des ratios, des mesures que 1 sur pi, 16 sur pi, 32 sur pi, des rapports qu'on va retrouver partout dans leur construction. Regardez, ça c'est un mur de temple maya. Mais ils se sont fait chier, les mecs. Regardez comment ils ont fait ça. C'est découpé de manière nickel. Ça s'emboîte pile poil. Et au lieu d'être droit, non, il y a une épaisseur. Et les constructions mayennes, elles ont minimum 5000 ans. Elles tiennent encore debout. Nous, nos immeubles, quand ils arrivent à tenir 200 ans, on est content. Mais quelque part, c'est évident qu'il y a eu un accès à une technologie qui est tellement supérieure à ce qu'on possède. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette technologie? Pourquoi est-ce qu'il manque cette liaison entre eux et nous? Regardez, là, c'est le dieu égyptien, Horus, et Horus, il a la peau bleue. Soit les Égyptiens, ils étaient très design, alors on sait ils avaient une manière de design, mais pourquoi ils se sont mis à dessiner un mec bleu? C'était juste pour le design ou parce que ce mec, il était vraiment bleu? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une race de galaxies qui s'appelle les Aviens bleus. On sait aussi que des galaxies, quand ils descendent sur Terre et qu'ils ont déjà des capacités, puisqu'ils sont vachement plus évolués que les humains, ils peuvent être pris pour des dieux et puis ils peuvent surtout donner de la connaissance. Ils peuvent surtout faire des sauts quantiques à l'humanité. Hein? Regardez ces statues de Pâques sur l'île de Pâques. Mais regardez où elles regardent où? Elles regardent dans le ciel, elles regardent en l'air. Hein? Donc, tout ça, moi, ça me montre qu'on est loin d'être les plus évolués. On est peut-être au 21e siècle, mais à mon avis, il y a 10 000 ans, les mecs, c'était vachement meilleur qu'eux. Encore un petit truc. Pour aiguiser votre curiosité, la pyramide de Khéops, un truc de malade. Mais il y a des fois, on est cons, nous les humains, on nous fait croire des trucs. Cette involution, elle nous fait croire des trucs. Donc, soi-disant que la pyramide de Khéops aurait été construite lors du temps de règne de Khéops le pharaon. Donc, Khéops, c'était il y a 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc, déjà, Khéops, il a régné 27 ans. Donc, on imagine, ça y est, il vient juste de naître. Hein, il dit. Je vais déjà prévoir à ma mort, vous allez me faire un tombeau. En 27 ans, on va construire le tombeau.
Ok, ça c'est ce qu'on a fait croire à toute l'humanité. Hein. Déjà, à mon avis, avant de penser à son tombeau, il fallait au moins qu'il ait peut-être 10, 12 ans, hein, à moins que peut-être ses conseillers ont pris de l'avance. Cette pyramide de Khéops, il y a 2,3 millions de blocs, ça mérite bien un S, de pierre. Donc, il aurait fallu poser ces 2,3 millions de blocs de pierre en 27 ans. Tailler, transporter et poser par jour. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas possible, ça fait un ratio de poser un bloc de pierre qui faisait plusieurs tonnes toutes les 2 minutes. Le tailler, le transporter, le poser toutes les 2 minutes, ce n'est pas possible. C'est techniquement pas possible avec les moyens qu'on a, nous, au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette pyramide de Khéops? Ce qu'on sait, c'est que toutes les ouvertures, elles sont orientées sur des constellations. On sait qu'en dessous, il y a une masse énergétique. Alors, on ne peut pas les voir parce que sinon, on casserait la pyramide de Khéops et ce serait dommage, mais on a des mesures énergétiques. On sait d'autres choses. On sait que les pyramides de Gizeh, donc dont la pyramide de Khéops, sont trois pyramides qui sont alignées parfaitement. On sait plein d'autres choses qui nous font comprendre que avant nous, il y a une civilisation beaucoup plus intelligente que nous. Et on a aujourd'hui, ce serait de l'inconscience de le nier. Maintenant, c'est de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'héritage de ces grandes civilisations? Vraiment se poser la question sur ces chaînons manquants. Regardez encore une fois là, les statues de l'île de Pâques, là qu'on déterre, hein, qui sont entourées jusqu'au cou. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer sur Terre pour qu'une statue qui fait 10 mètres de haut, elle soit enterrée sur ses 80%? Parce que bon, le mec qui fait la statue de pierre, il s'est pas emmerdé à faire des détails comme ça si c'est pour l'enterrer, la statue. C'est parce qu'elle était bien prévue d'être vue de tout son long. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur notre planète pour que d'un seul coup, cette statue, elle se retrouve à 8 mètres de profondeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ce que je vous disais, la pyramide de Gizeh tout à l'heure, regardez comme elles sont alignées, totalement alignées. Et si vous regardez bien, une pyramide, elle n'a pas quatre faces, leur pyramide, elle a 8 faces. Regardez bien ici, là. Vous allez voir qu'au centre, il y a une rainure. Et on va retrouver la même rainure sur les pyramides. Donc en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Mais comment on peut construire un truc comme ça au millimètre près? Un truc qu'on vient juste de découvrir il y a plus de 5 000 ans, il y a plus de 7 000 ans maintenant, alors que nous, aujourd'hui, soi-disant évolués, on serait incapable de le refaire. En plus, cette pyramide, elle est complètement alignée sur la constellation du Cygne. Les degrés près sont respectés, toute la proportion est respectée. On peut se poser la question, c'est que si les pyramides, ce n'étaient pas des tombeaux, qu'est-ce que ce serait d'autre? Parce que du coup, toutes nos déductions, elles seraient fausses. Parce qu'il semblerait que les pyramides ne soient pas des tombeaux. Que ce soit plutôt des chambres, des pièces d'expérience. Que dans ces pyramides, il y avait possibilité, justement, parce qu'elles étaient posées à certains endroits sur des vortex énergétiques en corrélation avec d'autres énergies en ascension, en réception, que c'était des sortes de passages pour aller faire des tests. Cette humanité d'Égypte ancienne, d'Atlantide, elle a développé des capacités. Des capacités importantes. Et ces endroits étaient des lieux où elle pouvait encore plus développer ses capacités. C'était comme des chambres, des accès à d'autres dimensions. Ce n'est pas des tombeaux. Ce n'est pas des tombeaux. Et c'est dommage parce que les hiéroglyphes nous le diraient. Il y a plein d'informations, mais on est incapable de les décrire. Imaginez. Si jamais il y avait la fin du cycle, si jamais il y avait des cycles comme ça, et que ça y est, on avait compris, comment on ferait pour prévenir les futures générations? On construirait des trucs de malades avec plein d'énigmes et de symboles, puisque le but de ces cycles, c'est d'apprendre. On ne pourrait pas donner les réponses tout de suite, mais on laisserait plein de petits symboles, plein de petites choses pour que nos futurs
nos autres futurs comprennent ce qui les attend. Et si c'était ce qu'avaient essayé de faire les pyramides, les Mayas, les Aztèques? J'en profite, je corrige les fautes d'orthographe en même temps. Hein. Donc si toutes ces grandes civilisations, elles avaient essayé de nous prévenir que là, il va nous arriver un truc de malade. Votre âme, elle est venue dans cette incarnation pour vivre ça. Et on s'attend effectivement à quelque chose de particulier. Je vous en dirai plus, que je n'ai pas toutes les infos non plus, il faut que je dois bien faire attention à mes mots. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter. D'accord? Alors, les Grecs ont essayé de nous transmettre ça, nous transmettre ces informations. Ils nous ont parlé de planètes, d'alignement, de choses comme ça. Platon, dans le mythe de la caverne, il nous a bien expliqué qu'il existait deux réalités. La réalité dans la caverne, qui était l'involution, hein, ce monde noir, ce monde fait d'ombre, dont on croyait que c'était notre réalité. Et puis, lorsqu'on sort du mythe de la caverne, on voit la vraie vie, le soleil, l'immensité, la liberté. L'ascension. Platon, il nous a déjà prévenu. Sauf qu'on s'est dit, ouais, c'est un illuminé, c'est un philosophe, c'est des trucs qui se passent dans sa tête, machin. Mais non. Il a essayé de décrire la réalité sans nous en dire trop, pour qu'on puisse faire le jeu, mais qu'à un moment, on comprenne. Et là, on commence à comprendre. Relisez-le, le mythe de la caverne. Les dessins aztèques, avec tous ces soleils, tous ces... Aujourd'hui, on sait bien que notre ascension, elle est faite parce qu'on reçoit les vibrations du soleil central, Alcyone. Donc déjà, le soleil, eux, ils avaient compris. Les cycles mayas, l'Atlantide qui a disparu, on nous a laissé des infos dans la Bible, on nous a parlé de Noé. Entre le mythe des Atlantes, Noé, les hiéroglyphes, le mythe de la caverne, les Grecs, ça commence à faire beaucoup d'indices. Hein. Et puis un indice de plus, figurez-vous que ces pyramides de Gizeh, là, ces trois pyramides, donc devant la pyramide de Khéops, on retrouve le Sphinx. Le truc, on ne sait même pas encore comment on l'a construit, ni comment ça a pu être possible, qui est construit dans des dimensions avec des nombres d'or extraordinaires, figurez-vous. Le sphinx, donc hein, un mélange de lion et d'homme, n'est pointé qu'une seule fois tous les 25 920 ans sur la constellation du lion. Et c'est là où on voit ce qu'ils avaient déjà compris, le cycle de précession des équinoxes. En fait, le sphinx, c'est un minuteur. Quand le sphinx sera réaligné, alors le problème, c'est qu'on ne sait pas aligné sur quoi. Parce qu'on n'est pas du tout dans l'ère du lion. On est dans l'ère du Verseau, donc on n'est pas aligné encore. Mais eux, ils avaient déjà compris ça. Ils nous laissent comme indice qu'une fois tous les 25 920 ans, il se passe un truc. Regardez le sphinx. Le sphinx, l'énigme, c'est la puissance du lion, c'est le savoir. Il nous donne plein d'informations. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Allez, je vais vous laisser. Oh, je vais pas être sympa, je vais vous laisser sur un suspense insoutenable. On sait qu'il y a eu déjà plusieurs humanités. On nous parle de plusieurs humanités. On ne sait pas exactement combien. Il y en a qui parlent de 6. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais on sait qu'il y a eu des déluges. Le mot déluge, on en a déjà entendu parler. Alors, le déluge, qu'est-ce que c'est? Au sens premier, c'est de l'eau qui arrive. Mais quel mot vous donneriez si d'un seul coup, vous donniez énormément d'énergie, énormément d'informations à quelqu'un? Ce serait un déluge d'informations, un déluge d'énergie. Juste pour ne pas prendre ce mot trop au sens tragique. On sait que le déluge a eu lieu il y a à peu près 12 960 ans. Et 12 960 ans, c'est quoi? C'est la moitié exacte du cycle de l'humanité qui fait 25 920 ans. Ce qu'on peut dater aussi, c'est le déluge de Noé. Alors là, c'est pareil. Là, on nous a dit, ouais, il y a un mec, il a entendu Dieu, il a construit un bateau et il a mis toutes les espèces dedans. Ok. On sait que la Bible, c'est de la symbolique, on le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être eu, à un moment, des gens qui ont su qu'il allait y avoir quelque chose d'important. Ils ont réuni les meilleurs... partie d'eux-mêmes, les meilleurs êtres, les meilleurs animaux, les meilleurs... en se disant, voilà, ça va être la graine de la nouvelle humanité. Et
le déluge de Noé, on arrive à le situer il y a environ, parce que quand je dis environ, on n'est pas à 20 ans près, hein, donc il y a environ 6480 ans. Et 6480 ans, c'est la moitié de la distance qui nous lie au déluge de l'Atlantide, mais c'est aussi un quart du cycle de l'humanité. Ça correspond à trois décans. Hein. Sur les 12 constellations, c'est trois décans. Donc, on voit la période entre l'Atlantide et Noé, sous réserve qu'on imagine que l'Atlantide ce soit vrai et que Noé ce soit vrai aussi. Ben, on sait qu'il s'est passé 6480 ans, trois décans. Et figurez-vous qu'on arrive actuellement, maintenant, à ces 6480 ans et qu'on vient d'entrer dans un nouveau décan qui est le décan du Verseau. Où on y est peut-être depuis déjà quelques temps, on ne sait pas exactement parce qu'on n'a pas de date. Encore une fois, on ne peut pas dater quelque part pour être sûr de ne pas prendre, de pas faire d'erreur. On pourrait dater, on aurait une marge de 2000 ans. Donc bon, c'est. Maintenant, on voit bien qu'actuellement, il se passe des choses. On sait que les guides nous disent des choses. Je vais vous laisser sur ce suspense. Hein. Si ce suspense vous a plu, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vais regarder les questions que vous avez dans le live. Surtout, vous n'hésitez pas, puisque comme je vous dis, il faut que je sois assez au point quand même sur ce live, puisque ça va être présenté sur une émission un peu plus importante que mon petit live à moi. Donc, n'hésitez pas à partager. Et je vous laisse dans ce suspense, hein, s'il se passe quelque chose tous les 6480 ans, qu'on arrive à peu près à ces 6480 ans, cet intervalle régulier de trois décans, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Allez, je regarde le live, je regarde le chat. Alors, coucou à tous ceux que je n'ai pas salués, hein, Christelle, Johan, Sylvie, Mathilde, Catherine, Sylviane. Ça n'arrête pas de couper, ah, peut-être que tu captes mal, Lisiane. Coucou Laurie, Amazon de Lumière. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Bonjour à tous ceux que je connais. Je regarde surtout s'il y a des questions. Alors, vous êtes plusieurs à avoir des coupures, pourtant je capte bien. Ouais, Lisiane, les Incas avaient compris 25 920 ans, ouais, ils l'ont écrit. Ouais. C'est nous, il faut qu'on commence à prendre conscience de ça. Alors, quoi d'autre, quoi d'autre? Yes, les Atlantes, la réalité. Alors, Lisiane, elle nous dit un truc important, parce que là, c'est pas Internet, c'est vraiment quelqu'un de réel, hein, qu'on connaît, qui nous dit qu'elle est allée en Égypte et dans les hiéroglyphes, il y avait des forceps, des opérations, des machines, des extraterrestres, donc les forceps, tout ce qui est médical, des opérations, j'imagine, chirurgicales, des machines. Ok, il serait peut-être temps qu'on se rende compte qu'il manque des trucs et que tous nos historiens, tous nos grands musées, ils nous racontent pas la vérité. Ils ne nous racontent pas la vérité parce que peut-être eux savent qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'ils veulent nous garder un petit peu sous la coupe. Vous savez que la liberté, c'est le savoir, hein, c'est la connaissance. Et là, on accède à une connaissance qui est infinie. Alors, a priori. Hop, je regarde surtout s'il y a des questions techniques. Alors, tac, tac, tac. Alors, Sylvain, tiens, Sylvain qui nous dit que Noé vient des Sumériens. Mais tu vois, je savais pas. Merci Sylvain pour cette information. Donc, encore un peuple très évolué. Les coupures, c'était au début. OK. Donc, juste pour reprendre, vous vous rendez compte que j'ai essayé de vous démontrer, hein, du mieux que j'ai pu, qu'il manquait des maillons. Il manque des maillons et ces maillons vont nous permettre de savoir qui on est vraiment, vers où on va et à peu près quand ça va se faire. Vous allez voir, je vais vous donner des dates beaucoup plus précises que 2000 ans. Encore une fois, ça n'engage que moi et ce sera quand même assez vague comme date, même s'il y a une date dans ma tête qui revient, qui revient, qui revient. Je vais pas donner de date, mais il nous attend quelque chose d'extraordinaire. On est venu pour vivre ça. On est venu pour retrouver, se reconnecter à qui on est et ça va arriver bientôt. Donc, eh ben, vous en saurez plus au prochain live. Sur ce,
Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis pour ceux que je vois mercredi à la conférence, au stage, apprendre à écouter, ben je vous dis à mercredi, sinon à dimanche. Bonne soirée.